la suite de la responsabilité prise par le président irakien, nous sommes dans une logique de guerre. Et toute la difficulté consiste à savoir si l'on peut en sortir sans renoncer aux objectifs fondamentaux que représente la défense du droit. Il y aurait agression nouvelle de l'Irak à l'égard de l'un des autres pays de la région, la France, qui a dépêché ses unités près du Golfe, dans la zone du Golfe, qui dispose d'unités militaires en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, la France serait solidaire et interviendrait. En France, ce sont maintenant 6000 hommes de la force d'action rapide qui vont partir sous les ordres du général Roch Joffre, nommé chef de l'opération Daguet. Les troupes qui embarquent à Toulon appartiennent en majorité à la 6e division légère blindée, légionnaires, spahis, marsouins et parachutistes. Notre destination est Yambo, où nous devons débarquer à partir du 30 septembre au matin. Après 48 heures de regroupement et de remise en condition, le groupement terrestre fera mouvement en deux éléments qui quitteront Yambo le 1er et le 2 octobre, le second pour le 4 octobre. Le premier élément étant aux ordres du 2e régiment étranger d'infanterie, l'élément du 4 octobre aux ordres du 6e régiment de commandement et de soutien. Et nous déplacerons vers notre zone d'engagement qui est Albatine en empruntant l'itinéraire suivant. Yambo, contournement de Médine, Bouraïda, que nous contournerons également, pour ensuite monter au nord sur Albatine. La mise en place de la division Daguet, vite opérationnelle en plein désert, c'est l'œuvre du général Mouskardès, en liaison permanente avec l'armée saoudienne. Les soldats de Daguet doivent apprivoiser un danger redoutable, l'arme chimique. Protection du combattant, décontamination des véhicules, mesures d'urgence et premiers soins contre les neurotoxiques et les vésicants, l'entraînement est quotidien. Plusieurs heures par jour, malgré la chaleur, les soldats s'entraînent au port fastidieux du masque et de la combinaison. Le 29 novembre, le Conseil de sécurité autorise le recours à la force pour libérer le Koweït. Désormais, l'ombre de la guerre se fait chaque jour plus menaçante. Début janvier, Daguet se renforce et arrive à 12 000 hommes. Les chars du 4e Dragon et les canons du 11e Rama doublent la puissance de feu de la division. Celle-ci effectue alors, dans le plus grand secret, un bond de 300 km vers l'ouest, face à l'Irak. C'est pour couvrir le redéploiement du 18e corps d'armée américain et préparer un mouvement tournant de grande ampleur. Depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Le 17 janvier, peu après minuit, les avions radars AWACS et les ravitailleurs KC-135 décollent en masse de Riyad. C'est le début de l'offensive aérienne. Une heure plus tard, les premiers F-117 américains bombardent Bagdad. Ah.
17 janvier 1991. Les Jaguars, les Mirage 2000 et les Mirage F1 CR du dispositif aérien français entrent en action. Pendant 43 jours, au rythme de deux raids quotidiens, les forces françaises alternent les tirs de bombes de 250 kg et les tirs de missiles AS-30 laser. En tout, pour la préparation de l'offensive terrestre, l'armée de l'air effectue plus de 2400 sorties. De son côté, la division Daguet quitte le 17 janvier la position de Miramar, près de la cité du roi Khaled. Elle fait mouvement vers Rafah, à 300 km au nord-ouest, et se déploie en 24 heures. Pour lors, elle passe sous le contrôle du 18e corps d'armée américain. 24 février, 5h30, la division Daguet reçoit l'ordre d'attaquer. Son objectif, la conquête d'As-Salman, important carrefour routier à 150 km à l'intérieur du territoire irakien. En face d'elle, la 45e division d'infanterie irakienne, forte d'environ 10 000 hommes. Au petit matin, les blindés foncent vers Auchambeau, une première position ennemie défendue par près de 3 000 hommes. Quelques heures plus tard, la résistance est investie et la division poursuit sa progression vers l'est. Le 25 février au soir, l'aéroport d'As-Salman est aux mains des forces françaises. La conquête de la ville est remise au lendemain. C'est au cours de la fouille du PC de la 45e division irakienne que le commando spécialisé de la division Daguet perdra deux hommes et comptera 25 blessés. Le 26 février 1991, la division Daguet a terminé l'essentiel de sa mission. Le chemin est ouvert pour les divisions blindées américaines. La division française Daguet, appuyée et accompagnée par des unités américaines, grâce à une manœuvre précise et hardie, vient d'atteindre en fin d'après-midi la série d'objectifs qui lui étaient assignés et dont la conquête était indispensable à la manœuvre d'ensemble des forces coalisées. Le 25 au soir, Daguet a atteint son objectif, l'aéroport de Salman, après une progression éclair de 150 km en deux jours. Au prix de deux morts et 35 blessés, les Français ont fait tomber Salman, verrou sur l'axe Texas. La voie est libre pour les Américains. Le 18e corps peut alors atteindre l'Euphrate et couper la retraite aux troupes irakiennes engagées au Koweït. Au centre, les chars du 7e corps américain et de la 1ère division blindée britannique lancent un mouvement tournant en direction de la garde républicaine. À l'est, les Marines et les contingents arabes foncent sur Koweït City. Au matin du 26, les Français nettoient Salman.
En fait, il n'y restait qu'une poignée de soldats irakiens. Le 28 février à 8 h, le cessez-le-feu est proclamé sur l'ensemble du front. La division d'Aguet s'arrête à une cinquantaine de kilomètres de l'Euphrate. Depuis hier, où nous avons ouvert à 13h30 l'ambassade de France, avec l'ambassadeur de France. Les Alliés ont libéré Koweït City. Le 28, un détachement français a rouvert l'ambassade. Koweït est libre, mais un Koweït dévasté et meurtri, où les civils hésitent encore à parcourir la ville. Le retour, enfin. Après 6 mois d'attente, 36 jours d'offensive aérienne et 100 heures d'offensive terrestre, les soldats français commencent à rentrer chez eux.